Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la deuxième année du collège enregistrement des séismes. Notre activité 1, la détermination de l'intensité d'un séisme. Effectivement, cette détermination de l'intensité d'un séisme se fait grâce ou avec l'échelle MSK qui se compose de 12 degrés, comme vous le constatez. Cette échelle-là se base sur les effets du séisme à la surface de la Terre. Donc, on va voir avec 2 degrés à l'échelle de MSK, on voit très bien que quelques personnes ont ressenti les vibrations. Bien sûr, on va voir maintenant avec 7 sur l'échelle de MSK. Effectivement, on voit très bien qu'il y a quelques dégâts, quelques fissures sur les bâtiments, comme vous le constatez. Mais avec 11 degrés sur l'échelle de MSK, on voit très bien que les dégâts sont très importants, effondrement des bâtiments, incendies, etc. Effectivement, comme je viens de le dire, l'échelle MSK permet de mesurer l'intensité d'un séisme. Cette échelle se compose de 12 degrés. La détermination de l'intensité d'un séisme se base sur les effets du séisme à la surface de la Terre, les dégâts aux bâtiments, le nombre des victimes, etc. Activité 2, dans ce cas-là, on va voir la détermination de la magnitude d'un séisme. Effectivement, la détermination de la magnitude d'un séisme se fait grâce à l'échelle Richter. L'échelle de Richter se compose de 9 degrés dans ce cas-là. Elle se base sur le calcul de la quantité d'énergie libérée au niveau du foyer du séisme. Ce calcul-là va se baser sur l'amplitude, bien sûr, sur les sismogrammes, comme on va le voir, vous allez le constater. Je vais prendre dans un premier temps l'enregistrement, le sismogramme 1, bien sûr. Donc, on va voir le temps d'arrivée, on va indiquer le temps d'arrivée des ondes de P, le temps de l'enregistrement des ondes de S, et on voit bien sûr voir l'amplitude. Donc, grâce à ces données-là, on peut déterminer bien sûr la magnitude du séisme. Dans ce cas-là, elle est de 3,6 degrés sur l'échelle de Richter. Pour le deuxième séisme, dans ce cas-là, donc le deuxième sismogramme, donc on va préciser, indiquer le temps de l'enregistrement des ondes de P, celui des ondes de S. Bien sûr, on va bien sûr indiquer l'amplitude. Et dans ce cas-là, on voit très bien que la magnitude de ce séisme-là, elle est de 2,5 sur l'échelle de Richter. Pour le troisième séisme, le sismogramme dans ce cas-là, donc le temps de l'enregistrement des ondes de P, celui de l'enregistrement des ondes de S, je m'excuse. Donc notre amplitude, voilà. Donc dans ce cas-là, ce séisme-là, sa magnitude, elle est de 5,5 sur l'échelle de Richter. Et notre dernier exemple, bien sûr, donc on va préciser le temps d'arrivée ou de l'enregistrement des ondes de P, celui de l'enregistrement des ondes de S. Et voilà, et bien sûr, et on va voir le cas de la magnitude. Effectivement, j'indique la magnitude. Et bien sûr, je peux lire maintenant la magnitude de ce séisme-là. Elle est de 4,3 sur l'échelle de Richter. Effectivement, comme nous l'avons déjà vu, la détermination de la magnitude d'un séisme se base sur la quantité d'énergie libérée au niveau du foyer du séisme. Le calcul de cette quantité d'énergie se fait grâce à l'amplitude sur les sismogrammes. Bien sûr, on tient compte, bien sûr, on utilise aussi la différence de temps entre l'enregistrement des ondes de P et celui des ondes de S. Activité 3, comparer entre l'intensité et la magnitude d'un séisme. Effectivement, nous l'avons déjà vu, donc nous avons la magnitude, je vais choisir comme magnitude 3 sur l'échelle de Richter et avec une profondeur, bien sûr, avec une profondeur par exemple de 50 km, je vais activer mon séisme. Effectivement, je vois très bien que les effets sont minimes. Alors qu'avec une profondeur, par exemple, de 50 km, mais avec une magnitude de 9 degrés sur l'échelle de Richter, dans ce cas-là, on voit très bien que les dégâts sont très importants. Alors, notre comparaison entre l'intensité d'un séisme et sa magnitude. Donc, l'intensité est estimée à partir des effets produits en surface, comme nous l'avons déjà vu, alors que pour la magnitude, elle évalue l'énergie libérée au foyer du séisme.
Pour l'échelle d'évaluation, dans le cas des intensités, on utilisait l'échelle MSK avec 12 degrés, mais bien sûr, pour l'évaluation de la magnitude, on utilise l'échelle de Richter qui se compose de 9 degrés. Merci.